nous tombons d'accord. Bravo. Nous arrivons, on a réussi à bloquer ce qui s'appelle circuit court ou circuit long. Ouais. Puisque c'est deux façons de s'approvisionner différemment. Pour vous faire rapide, celui qui s'alimente en circuit court, ça veut dire qu'il va directement là où on lui vend le truc. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc il a payé moins cher. Donc si c'est pour nous, ben, un différentiel, nous allons payer au plus bas. Nous ne pouvons pas payer au plus haut parce qu'il va payer plusieurs mounes. Pour que la différence ne soit pas trop violente sur le prix ici. Et on se base toujours sur la moyenne de l'INSEE. Bon, c'est ce qu'on a compris. Et le circuit long, c'est celui qui passe par un grossiste, donc par un fournisseur. Donc forcément, le fournisseur prend sa marge dessus, ça lui revient plus cher. Donc tu ne peux pas lui mettre un différentiel pareil que celui qui va en direct. Donc sur ça, on a réussi à cadrer ça. Ce n'était pas le point le plus compliqué. Nous tombons d'accord, ça amène plusieurs discussions, puisque forcément, il fallait qu'on arrive à bien cadrer le truc. Donc sur ça, on est tombé d'accord. Bravo. Donc il reste un point, et pas des moindres, la totalité de l'alimentaire. C'est là où nous avons un problème, puisque c'est là qui mène tout combat, c'est ça qui fait que nous sommes levés, puisque nous disons que nous ne pouvons pas payer manger chaque comme ça. Le problème là, c'est que vous ne pouvez pas différencier, ça manque à manger, dit ça, on ne peut pas choisir, bah, moi, je ne peux pas choisir ça. Non, non, mais là, qui a 70 ans, pas qu'il mange comme une fête. Voilà. Alimentaire, lui, ce n'est pas alimentaire, moi, et femme, voilà. Et non, encore, et non, mais ma mère, enfin, bon, bref, vous avez compris le problème. Tout à fait. Et on laisse ça, c'est monsieur pas qu'à des mots. Ouais. C'est monsieur qui a parlé de famille, de produits, il va parler de rapport au produit. Attendez. Puisque, en ça, il a dit, nous n'avons point de vue, mais il y a une vision, il y a des éléments que nous pas ni forcément pour essayer de comprendre. Là, on a un problème. Il ne faut pas rester là, ça, on ne comprend pas. Seulement, il faut écouter ça, mon radio, on fait ça pour essayer. Où est-ce qu'on est en proposition? En ça, il a parlé nous de pitié. Ceux qui sont ici, petits producteurs et autres, que si tu baisses d'un coup tout l'alimentaire et donc ce qui est importé, parce que nous on est sur l'importation, tu vas déséquilibrer ceux qui sont déjà en place. Ah ouais. Oui, c'est vrai, parce que regardez que l'obé ça n'est pas importé, il a trouvé qu'il y a longtemps moins cher qu'il t'a acquis ici, et donc tu es acquis ici parce qu'il peut être concurrencé là-bas. Mais bah moi c'est problématique, parce que pour favoriser les petits nounisiens, nous ne pouvons continuer à tuer le peuple là. C'est quoi? Nouveau modèle à nous le mettre en place, parce que c'est un nouveau modèle, c'est un nouveau fonctionnement. Nous avons ça nous l'est, mais nous ne savons pas ça qui est créé. Et c'est peu tard qu'a fait les fonctionner sur l'ancien fonctionnement. Mais comme l'ancien fonctionnement, pas jamais porté à rien, bah nous, c'est mon avis, je suis prêt à prendre le risque de créer des dégâts pour la suite. M'emparer pour le risque de dégâts à venir. Ouais.